secret pour bien commencer la journée, c'est de ne pas mettre de réveil et de se réveiller avec les premiers rayons du soleil. Puis évidemment, prendre un solide petit déjeuner, c'est notre plus gros repas de la journée. Vers 8h30, 9h, après avoir fait mon sac méticuleusement, je file à la plage. C'est mon heure préférée de la journée pour en profiter. Puis vers 10h, quand le soleil commence à taper, on prend nos vélos et on file au marché pour pouvoir préparer le déjeuner. L'avantage de l'été, c'est qu'on a vraiment le temps d'enfin prendre le temps de faire le marché. Pour midi, j'adore faire des salades composées, bien garnies avec plein de légumes, un peu de fruits et au moins un féculent. Là, j'ai choisi du boulgour et je l'ai fait refroidir. Je pimpe ma salade avec du saumon pour la gourmandise. J'émiette aussi un peu de feta pour le côté frais. J'ajoute un avocat bien mûr, coupé en petits morceaux car j'adore ce petit côté fondant. Évidemment, j'ajoute des petites tomates, mon fruit favori de l'été, que je mange absolument toute la journée. Pour l'assaisonnement, un filet d'huile d'olive, des zestes et un petit jus de citron. Pour l'acidité, du sel, quelques herbes, un petit peu de vinaigre de cidre et surtout, surtout, beaucoup d'amour. J'ajoute un peu de nectarine pour un côté acidulé façon taboulé. Quelques grains de grenade qui apportent un croquant absolument génial, et voilà, on a bientôt fini. On mélange le tout, on goûte, on réajuste l'assaisonnement, et on passe enfin à table. Après une petite sieste, un peu de lecture sur la terrasse, ou même un peu de travail, vers 16h on retourne à la plage. Étape très importante avant d'aller se baigner, et même bronzer, j'enlève tous mes bijoux chéris. Là, en l'occurrence, des bijoux Griff des Chéris et Fabien Eisenberg. On s'en est jamais caché, on est vraiment un couple vintage. On adore jouer aux raquettes, aux volets, mais alors par-dessus tout, on adore jouer aux cartes. Après avoir beaucoup joué, vers 17h30, on rentre prendre le goûter. Le plus souvent, un smoothie bien frais. Fraises, pastèques, de l'amande fraîche et un trait de citron vert pour plein d'acidité. Ne pas oublier d'ajouter plein de glaçons pour le côté frais et émulsionné de votre préparation. Vers 18h30, je redescends à la plage pour mon moment préféré de la journée. Un grand moment de lecture face à la mer, la plage commençant à se vider. Le soleil commence à se coucher, c'est bientôt l'heure de dîner et des apéros improvisés s'organisent un peu partout sur la plage. Nous passons à l'épicerie pour prendre plein de petites choses pour préparer notre dîner. Et oui, nous aussi nous allons pique-niquer.
pas où? Suivez le guide. Et on va faire quoi? Pique-nique sur la plage. Et voici la fin d'une nénuphar journée d'été. J'aime tellement voir le soleil se coucher sur la mer avec ses belles couleurs d'été. On a déjà hâte d'être à l'année prochaine.